Et salut à tous, c'est Steph. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 17. La carrière avec Grenade. Aujourd'hui, dans cet épisode, on fait deux ou trois matchs, on verra. Un premier contre Las Palmas, un deuxième contre Leganés, et un troisième contre le Deportivo Alaves. Alaves, on dit Alaves ou Alaves ? Moi, j'ai toujours dit Alaves. Alaves, pardon, on dit Alaves, autant pour moi. Toujours des problèmes pour prononcer les trucs. Je suis un peu fou dans ma tête. Allez, on va jouer comme ça. C'est vrai qu'on a une équipe que tout le monde est fatigué. Mais c'est pas terrible tout ça. Donc, qui c'est qui va jouer? On va faire jouer Ponce. À la place de Marquez, on va faire jouer Toral. Cuenca, mais si, on a des solutions. On a des fatigués, mais on a aussi des solutions. Saunier qui est blessé aussi. On a Vezo qui revient. On fait jouer Sylvain, mais oui, Tito qui va jouer à la place de Tabanou, voilà. On va faire jouer, soit on fait jouer Silva, soit on fait jouer Martins. On va faire jouer Silva parce qu'il joue pas beaucoup. Et on a tout le monde qui revient petit à petit. Voilà, ça fait plaisir. Mais on a une équipe défoncée, hein, faut le dire. Hein. C'est vrai que les matchs s'enchaînent. On joue quand même beaucoup de matchs par mois. Et ça fatigue. En tout cas, c'est les demi-finales. Match retour des demi-finales. Alors attention, c'est important. On a gagné, j'ai regardé, on a gagné. Voilà, 2-1 à l'aller à l'extérieur. Grenade, une équipe qui aura à cœur de faire oublier son match précédent. Voilà. Cette défaite à l'extérieur. On a perdu à l'extérieur. À l'Athletic Bilbao, c'est vrai, oui. C'est vrai. Honnêtement, Hervé, je suis peu optimiste pour ce match. Peu optimiste, donc on ne donne pas beaucoup de chance. Il est dépossédé. Oh, c'est dommage. Hein. C'est dommage ça. Ah, ça aussi, c'est dommage. Allez. Attention, il y a un peu d'espace. Oh non, c'est dommage. Ça aussi, c'est très mal joué. Ouais, ça, c'est très très mal joué la passe. Vaisseau. Allez, vaisseau qui revient. Ils font tourner en attendant une. Allez, Pereira. La tête. Oh non. Ah, il a raté sa tête, Ponce. Ah, c'est con. C'est con parce qu'il est arrivé. Il était tellement bien placé. Ponce. Il aurait pu mettre la tête. J'ai cru à la tête. C'est sorti. Bon, ils sont censés. Ils sont censés être fatigués quand même, aussi, parce que. Eux aussi, ils enchaînent les matchs. On les a joués beaucoup ces temps-ci, là. Ils jouent en championnat, c'est la deuxième fois qu'on les joue en coupe. Le ballon est perdu. Les 30 derniers mètres. Ils font tourner. La tête. Ah non. La voilà la frappe. Je voulais pas frapper, je voulais centrer. Ouais, magnifique, le contrôle parfait. D'accord. Tito. Ah. Ah non, pas là. Toral qui a du mal à contrôler son ballon. Allez. Cette rencontre, elle va se jouer dans ce stade. L'architecture assez particulière. Oui, en même temps. Allez, on le ballon. Voilà. Pinot n'a pas trop du temps. Et moi, j'aime bien les grands pilots. Ah, c'est dommage, c'est mal joué, il aurait dû la jouer exactement comme je lui ai demandé. Ça serait passé s'il aurait joué comme je la voulais. Isaac Cuenca, ils ont décidé de poser le jeu. Allez, Pereira. Pour tenter une percée. On n'a pas de chance sur nos centres, hein. On n'a pas de chance aujourd'hui. Isaac Cuenca. La frappe, dommage. Ouais, la frappe de Toral qui ne passe pas. Oh, tiens, comment c'est fait? Niqué. Bien joué. Ah là là, Cuenca qui prend pas le ballon. Et là, on passe à côté totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, tout le monde s'arrête? Ça va être un renvoi au 5m50. C'est bizarre qu'ils sont pas partis à la lutte. Voilà, qu'est-ce que tu m'as fait, Vezo, là? T'es parti, je sais pas où, là.
Ils partaient je sais pas où, Vezo. Va se mettre un peu en offensif. Tito. Oh non. Oh non, tu te déconnes. Mais tu déconnes. Isaac Cuenca. Ah ouais, mais j'ai pas de solution. Un bon ballon d'attaque. Allez, pour Silva. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Wow. La faute. Et le ballon qui n'est pour personne finalement. Bim. Ouais, moi aussi je fais un tacle, sauf que ça marche pas aussi bien que chez eux quoi. Montoro. Allez. L'arbitre qui n'a pas sifflé, il laisse le jeu se poursuivre. Non, c'était pas pour Ponce, ouais, c'était pour Pierre. Ça pouvait bien faire un but. Ah, c'est pas vrai, mais. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Le jeu il m'en veut. Le jeu il m'en veut. Le jeu il m'en veut, on a vraiment pas de chance sinon dans ce match. Hein. On a beaucoup de contre défavorables, on a beaucoup de situations où on pourrait prendre l'avantage et puis finalement il y a je sais pas un pied, une jambe, un adversaire, un mauvais contrôle, une grosse mauvaise passe extrêmement grossière. Totalement inacceptable. Et qui fait que. Non, c'est pas bon. Ouais, mais là, je me fais violenter dans le dos, tu sais. Ça, c'est quand même abusé. L'appel de balle et la passe en profondeur. Voilà. Un tir complètement raté. Quel raté de Pereira. Quel raté de Pereira. Allez, tu vas prendre ce ballon. Non! Oh non, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai demandé une passe sur Ponce. Il m'a fait une passe au gardien adverse. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Allez, bien joué. Wouah, salaud. Putain, il m'a mis une espèce de mine. Il m'a mis une mine à la vitesse. Pas pu, pas trouver l'accélération avec Pereira, pas assez rapide, sûrement. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Ah non, mais putain, pourquoi vous vous barrez tous? Mais vous êtes con. C'est pas vrai, ils sont tous bêtes. Le centre, il était parfait en plus. Le centre, il était parfait quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus quoi. Comme, à part, enfin, sur ce centre, je sais pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus, hein, garçon. Oh, le tacle sur comment il peut faire pour. Duel pour la récupération du corner. Ballon. Récupère un corner. Elle concède le corner. Comment il pouvait faire là? Comment il a pu piquer le ballon sans toucher le joueur sur Gaston son tacle Silva. Gaston Silva. Qui remet. Non, même pas. Qui pousse l'adversaire pour remettre ça. Il met la tête. Oh, la tête. Je l'avais visé dans la cage, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est comme tu veux. On va la jouer un petit peu plus long. Il s'est dégagé du point. Ah, le gardien donne un sourcil à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Ouais, faut pas non plus déconner. Hein. C'était pas non plus ultra dangereux. Hein. Et du mal à trouver des espaces, là. Vraiment beaucoup de mal. Hein. Je les trouve très resserrés, les adversaires. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Mais ouais. Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Oui, il va centrer. Ça sera un autre corner. Attention, hein, ces coups de pied arrêtés sont souvent des occasions de but. Attention, la tête. La tête dans les bras du gardien. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Allez, on l'a vu. On l'a vu, c'est beaucoup trop trop long. C'est beaucoup trop long ça. Putain, mais Pereira quoi. Oh là là, il était tout seul en plus, comment il s'appelle, Cuenca, il était tout seul et non, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, il a vraiment chié l'occasion, quoi. Allez, on va faire entrer Marquez, on a peut-être un peu plus confiance en Marquez qu'en Bueno pour le moment. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. On n'a pas pu faire sortir Ponce. Il aura fini son échauffement, il est prêt. Bah ouais, mais là, ça oui, casse. Oui, ça circule bien, reconstruit tranquillement. Tito. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ouais,
Ouais, mais c'est mal joué, c'est mal joué, c'est dommage. Le centre est extrêmement mauvais en plus. Ah, mais c'était pas pour là. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Bon non, ils viennent rentrer. C'est qui? Oh non, oh, c'est pas vrai. Là, on n'a pas de chance aussi. Là, là on n'a pas de chance aussi, quoi. Allez, j'arrive même pas à le rattraper, lui, il est tellement rapide. Il arrive à centrer. Ouais, bien vu ce son. Dégage, on pas de risque. Allez. Il a un petit peu d'espace, il peut Allez. Centrer. Non, qu'est-ce que tu me fais? Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai aussi d'autres personnes qui sont fatiguées. Tout le monde. Tout le monde est fatigué. On va faire entrer Samper. J'aimerais bien faire entrer Samper. Allez, directement ouais, pour autre choix. Ouais, ouais, fallait y aller, change ballon. Hein. Bon, le. Relancer son équipe quand. Elle la voilà la frappe. Il prend la frappe. Pas de problème pour le gardien. N'importe quoi, autre choix. Le gardien est monté sur ce corner. Bah, il est pas monté, le gardien, si. Bah, il est. Ah, si, il est en blanc, hein. Je l'avais pas vu. N'importe quoi, autre choix, en tout cas. Hein. Quelle relance dégueulasse. Mais allez, bon, c'est un match 0-0, ça commence très très mal. Hein. Ça commence très mal. Bon, on est quand même. On passe devant, je contre le Barça en finale de la, Coupe du Roi. C'est quand même pas mal, 80 000 euros, mais c'est dégueulasse. C'est quoi cette dotation pourrite? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Pas trouvé de très très grosses pépites lui là c'est pas la peine hein, mon petit il y en a beaucoup c'est pas la peine hein. Lui aussi là dégage mais c'est pas il a quel âge il a 16 ans on va attendre d'en savoir un peu plus ça fait combien de temps qu'il a 5 mois. Lui, il est pas terrible aussi. Ouais, c'est pas, pas terrible, hein. J'ai pas trouvé des très bons joueurs, hein. Allez, il y en a qui veulent parler de leur salaire. C'était là, ouais. C'est vrai que les contrats, c'est là. Tu veux toucher combien 9000 pour 3 ans, genre de rotation d'effectifs, je te laisse le même statut. Allez, contre Leganés, on va jouer un des promus. On va jouer en noir, hein, comme ça on n'aura pas de problème de couleur. Et on va rejouer un peu comme ça. Sauf que tout le monde est encore un peu fatigué. Et on s'en sort plus avec ces matchs. Hein. On s'en sort vraiment plus. Ouais, on va faire jouer Vezo. Bon, s'il est totalement mort, donc c'est pas la peine de le faire jouer. Bueno, tiens. Bueno, on peut le mettre. Place de Toral. Puis on va y aller comme ça. Hein. Parce que là, on peut pas faire grand chose. Hein. On fait jouer l'équipe la plus en forme. Hein. J'avais pas fait ce mini-jeu, je crois. Non, j'en fais pas beaucoup de mini-jeux d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un peu chiant. Ce stade qui affiche une capacité théorique, je l'affiche de 22 000 places. Pour... Oui, dans un grand championnat, c'est un petit stade, et dans un petit championnat, bon, c'est dans la moyenne. Ça descend peur. Allez. On va tâcher de bien jouer. Maestri Fouquier. Un bon ballon d'attaque. Ouais. Pas assez de patates dans cette passe. Pourquoi je peux pas sélectionner le numéro 6 Il prend sa chance. Bien joué. Ouais, le gardien, sans souci. Ouais, mais je sais pas à qui donner là.
tabali. Berzo, tu me fais extrêmement peur là. J'ai cru que t'allais pas pouvoir te retourner, tu vois. Pour un mec à 78 de général, ça me ferait quand même un peu chier quoi. Ça lui fait peur. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il faut qu'il centre là. Oh là là, putain. Mais... Il est le premier sur cette passe. Ouais, mais les gars quoi, un peu de motivation. Ouais, ouais. Bah, donc ça n'ira pas plus loin. Ouais, mais c'est pas très motivé, quand même, les joueurs là. C'est sorti. Bien voilà. Voilà, abuse pas, on a tous vu que c'était sorti. Non, ils veulent dynamiser le jeu. Pourquoi moi je peux pas faire des trucs comme ça quoi. C'est abusé. Ah, vas-y. Attention, il a du champ devant lui. Le oh là là. Je sens que ça va être un match terrible. Bien bon, joué. Il lui a pris le ballon. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Ouais, mais ça va être récupéré. Bonne récupération. Bah, mais non, mais. Il fait genre qu'il va récupérer le ballon, mais il se trouve derrière l'adversaire, quoi. Allez, ouais, mais ça couvre pas là. Car c'est là, il aurait dû couvrir. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, non, finalement. Voilà. Un petit peu plus, si je me prenais un gros tacle dans les jambes. Putain, beaucoup de mal. Ça faisait un petit moment que j'avais pas rejoué à FIFA, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre dedans. Je trouve les joueurs vraiment pas. Je sais pas. Attention, ça peut être dangereux. On dirait qu'ils sont pas motivés du tout. Voilà. Je les trouve pas. C'est largement sorti. J'ai peur. Il donne le ballon. Surtout, te dépêche pas. Surtout, tu prends ton temps. Non, mais non. C'était pour Boga. Timor. C'était pour Boga, ça va être un match dur. J'ai l'impression que ça va être un match dur. Bonne anticipation sur cette passe. Un peu comme le. Oh là là, mais non, mais Adji, quoi. Faut pas me dire que t'as pas le temps de faire ta passe, quoi. Ça lui fait peur. Oh, mais non, mais. Oh là là, mais Boga. Mais non, mais Boga. Justement, j'ai fait exprès de faire la passe là où Carcela il était parti et il me fait une passe là où Carcela il aurait dû être. Et comment ouais, qu'est-ce une situation intéressante, là. Le jeu il m'en veut. Il m'en veut aujourd'hui, il veut pas. Hein. De balle, en attendant l'ouverture. Il choisit la frappe. Allez, oh mais non. Oh, c'est l'interception. Mais ouais, mais là, impossible de gagner en vitesse. Sur ouais, des adversaires en légende. Allez! Putain, mais sortez-vous les doigts, les gars, là. Allez, on se motive, là. Ouais, mais non, mais si tu mets 2 ans pour te retourner aussi. Oh, mais allez. Allez, qui va reprendre ce ballon? Bon, mais Vezo, mais. Comment tu. Non, mais. Comment tu prends pas le ballon? Bon, mais non, mais pourquoi tu dégages du point? Mais c'est pas vrai, mais. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez. Bien joué, en tout cas, Zili là. Ah non, c'est pas bien fait ça. Oh là là. Mais quelle première période dégueulasse. On peut pas activer le mode où les joueurs les jouent correctement. Voilà, la seconde période. C'est quoi le mode où les joueurs ils jouent correctement? Je sais pas, on se peut se mettre en ultra offensif parce que. Effectivement. Hein. 45 premières. Oh là là, mais non. Mais tu peux pas te laisser avoir comme ça. T'as pas de dignité, mon petit. Non, mais oh là là, mais il me fait la même après. Non, mais tu sors direct, toi. Toi, tu sors direct. 2 erreurs dessus, tu dégages. Ah non, pas Bueno. Non. Pas Bueno, on va faire entrer qui? On va faire entrer lui. Sors direct là, c'est pas acceptable ça. 2 erreurs de suite comme ça. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui va décider d'aller le joueur qui va faire son entrée. L'entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer. Allez, pourquoi je peux plus sélectionner mes joueurs là? Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Dimitri Foulquier. Sergio Santer. Allez, mais.
Oh, mais ils bougent pas, mes joueurs là. Qu'est-ce qu'ils ont là? Un bon ballon d'attaque. Bon, allez, Carcela, quoi. Tu peux pas faire un dribble simple, quoi. Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce qu'il me fait, Carcela, là? Bon, mais n'importe quoi. Mais c'est quoi? Mais voilà, là, mais. Putain, mais tu peux pas jouer, quoi. Bon, le ballon qui retombe, quoi. Qui rebondit sur l'adversaire, quoi. Attention, il y a un peu d'espace devant. Le tacle était beau, mais. Allez. Le ballon qui est perdu. Au bête vaisseau. Avec 30 minutes à jouer, on a le temps réglementaire. Allez, mais non, mais c'est pas pour là non plus, là, putain. Il a eu le bon tacle. Ouais, il lui remet. Il l'a mis à l'endroit où c'était le plus difficile à le récupérer, quoi. Non, mais non, mais non, c'est pas là que j'ai demandé. Voilà, il commence vraiment à me saouler, là, les joueurs. Il commence vraiment à me saouler, là. C'est pas fini. Non! Pas vraiment de quoi inquiéter le gars. Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais putain, mais les gars, là, merde! Allez, Bruno qui va rentrer. On va sortir Samper aussi. Putain, mais ils ont fait une mise à jour ou quoi, là? Parce que là... Ils sont devenus stupides, mes joueurs. Ça doit être peut-être ça. Je les ai laissés une semaine, ils sont devenus stupides. Parce qu'ils font, ils me font vraiment n'importe quoi. Allez, peut-être une bonne occasion. La bonne passe dans l'espace. Oh, comment tu peux pas, comment tu peux pas cadrer ça, quoi. La séquence de jeu était jolie en tout cas. Robin Vaisseau. Allez, ils attaquent pas le ballon, c'est rien à foutre. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ouais, bel appel de balle. Non, mais... Ah, il a du soutien autour de lui, c'est bien. Je crois qu'il allait perdre le ballon, quoi. Ça aurait été honteux. Bah ouais, mais il y a personne qui propose des solutions en même temps. Pour que le contraire se passe. Allez, bien joué. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Putain, on va encore faire un match nul, hein. Non, mais... Oh, mais Bruno, quoi. T'as un contrôle de balle ridicule ou quoi, là? Comment tu peux faire des contrôles aussi mauvais, aussi lents, quoi? Dimitri Foulquier. Jérémy Vogard. Allez, mais on est en ultra off là, merde! Il faut se mettre un peu devant là, faut se projeter un peu là. On est vraiment on est en ultra offensif, oui, mais comment on fait alors? Comment c'est possible que les mecs ils soient autant derrière là? Oh là là, vous allez dire que je râle, hein, vous allez dire que c'est insupportable. Mais pour moi, c'est vraiment insupportable. Là. C'est terrible, je comprends pas. Hors jeu, il est hors jeu, on a tout de suite. Mais c'est terrible là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse, grosse régression là. C'est quoi le problème là? Pourquoi les joueurs ils sont devenus incapables comme ça là? Incapables surtout d'action offensive là. Bon. Bueno, ouais, il se laisse piquer le ballon. Il se laisse voler le ballon. Ah, il vient tacler, le ballon qui n'est pas personne. Bah ouais, mais tu peux pas jouer en fait, c'est con. Passe en profondeur. Ouais, mais beaucoup. Mais la défense qui se montre vigilante. Ah, c'est sûr qu'on peut pas marquer comme ça. Hein. C'est finalement un ballon. Si Boga il essaie même pas d'aller au ballon, on peut pas marquer comme ça. Hein. Et voilà, c'est fini. Bon, et tenter de faire un troisième match parce que les deux premiers ont été quand même très expéditifs. Parce qu'on est à peine à 24 minutes. Il va falloir qu'ils retrouvent du niveau un peu les joueurs parce que là. Même en ultra offensif, moi j'avais pas l'impression d'être en ultra offensif là. Allez, on s'en fout des postes de sélectionneur. On va jouer encore une fois un nouveau match. Bon, tu fais ce que tu veux, mais... Ça, c'est con, les mecs, ils te disent... Ouais, on peut parler salaire et tout ça, et puis juste après... Ah, mais non. Ah, mais non, on va pas parler salaire, non. Non, mais en fait, j'ai pas envie. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te fous de moi, en fait. Tu me dis que tu veux une augmentation de salaire et puis après tu dis
Oh mais non, je suis pas sûr de rester. Non, non, mais non, mais non, ça me va pas. Non. Allez. Non, pas Silva. Martins. On va mettre Silva ici, Sonnier, il est de retour de blessure encore. Ça fait une semaine qu'il a dans le pansement. Il peut pas arrêter d'être blessé un peu. On va mettre un Nyerga sur le banc, on sait jamais. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Silva, on va le mettre là. À la place de Marquez. C'est un risque. Allez, on va jouer comme ça. Troisième et dernier match, donc. On va essayer qu'il soit un peu moins désastreux que les précédents, parce que... Grenade, qui avait signé un match nul lors de son dernier déplacement face à Leganés. Ouais, match nul bien dégueulasse, hein, bien bien moche. Avec les attaquants seront plus à leur avantage aujourd'hui. Aucune, je sais pas, aucune envie. Aucune envie, aucune... L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant. On va prendre un but. Avec un tir, mais ce ballon qui finit loin du but. Putain, j'aurais cru que c'était un corner, j'ai cru que mon joueur l'avait dévié. Allez. Et là, voilà, j'ai... Comment ça se fait que j'ai l'impression de ne plus avoir d'attaquant là ? Peut-être j'aurais pas dû mettre ce maillot là. On s'approche du but. Voilà. Le tacle et le ballon qui défend pas. Ouais, mais dans ces cas-là, en légende, tu peux plus attaquer là. Un petit peu trop vite. Je sais pas, j'ai dû. Ça doit faire trop longtemps que j'ai pas joué, par contre, ça fait quoi, une semaine ? Parce que je tourne les épisodes 2 par 2, donc. Ce match, l'équipe locale est tout simplement la meilleure défense du championnat. Je sais pas. Sur cette solidité défensive pour donner. Je compte surtout sur l'attaque, hein, parce que j'ai pas envie de rester sur un match nul ou de faire un 0-0. Enfin, un 0-0, c'est la même chose. Ils font tourner. C'est vrai que ça, c'est gamin dans FIFA, y a pas de marquage. Pas de notion de marquage, ça, c'est gamin. Très loin du cadre. C'est dommage d'ailleurs. Il faudrait que le marquage soit plus présent en fait. Tu pourrais leur dire vraiment marquer de près. Voilà. Que tu aurais l'option marquer de près les adversaires. Et que là tes joueurs ils se mettent à voilà. Ils se mettent tout le temps en un contre un quoi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Tito. Le centre était bien adressé, mais non, le mais sera très bien fait. L'ordre de tirer, c'était pour. Oh, le ballon récupéré dans la surface. Corner. Corner. Oh là là. Et il a pas pu centrer quoi. Non mais non, mais qu'est-ce que tu vas aller me chercher? Oh là là. Il doit aller me chercher Pereira alors qu'il avait Agbo devant lui. On est dans un stade un peu particulier aujourd'hui, Pierre. Hein, oui, 25 000 places, mais bon voilà. C'est pas pour ça qu'on va avoir un mauvais match. On parle des stades. Totalement raté. Il en touche avec la passe mal assurée. Bon. Mais quel niveau de jeu déplorable. Putain, pourtant j'avais pas de difficulté avant. Mais là. De toute façon, mes joueurs ils sont. Attention, allez sur l'aile, Cuenca. Cuenca, ouais, mais là Cuenca, regardez, là j'ai qu'un seul joueur dans l'axe. J'ai 15 défenseurs adverses. Et il centre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout seul? Il choisit la frappe. Allez. Et quand même, ça commence à devenir dangereux. Putain. Les joueurs qui regardent le ballon comme ça de manière ultra passive. Quand il est devant eux et qu'ils sont dans la surface, ça sert à un truc qui me casse les pieds. Bien joué Sonnier. Le but qui leur permet de prendre l'avantage. C'est un peu le billard quand même, mec, où les coups de pied arrêtés comme ça. Un peu plus près. Il est nettement au-dessus de tout le monde et vient placer cette tête puissante qui trompe le gardien. Plus le corps. Je dirais pas qu'il était nettement au-dessus. Au hein. Je dirais voilà, qu'il a bien coupé. Le but sur coup de pied arrêté. On va revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Allez, allez, mais qu'est-ce que tu fais, Sonnier là? Encore une bonne passe. La frappe.
Il avait une bonne occasion d'égaliser. On va prendre un petit carton. Un peu précipité là. Tito. Isaac Conca. Bueno. Allez. Allez, Cuenca il déborde bien sur le côté, ça fait plaisir. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, Cuenca? Mais non, mais merde! Quand je donne une direction sur les passes, vous respectez la direction, puis c'est tout là! Bueno. Putain! Putain, ben, ouais, même pas le temps de tourner que. Le temps réglementaire est que ça y est, c'est terminé quoi. Il y aura 3 minutes en plus. Putain, c'est chiant quand même, hein? Quand tu fais des passes que les types. Pas coup franc quoi. C'est chiant, tu fais des passes quoi, et les types ils font pas la passe là où tu veux. Ils font la passe là où eux ils veulent, tu vois. C'est très agaçant, c'est vraiment extrêmement agaçant ça. Toi tu la veux dans un endroit, tu la diriges vers cet endroit là, et puis non, eux non, ils veulent pas. Ils font pas ça. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font là où eux ça leur paraît plus intelligent alors que c'est totalement con. Bueno. Aïe 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 aïe. Non. Ce ballon qui est intercepté. Bah ouais, mais si tu vas pas au ballon aussi là. Bye Gomez. Bueno. Et Sport qui lui donnera rendez-vous avec le championnat espagnol. Mais non, c'était pas pour lui. Affrontera le Sporting de Gijón à l'extérieur. Allez, Tito. Oh, la tête plongeante. C'est le défenseur, hein, qui a pris le dessus. Ça a été déposé sur le pied du défenseur, tu sais. Forcément, j'avais pas mon joueur qui pouvait se mettre bien placé. Et Bueno qui. Voilà. La passe qui était beaucoup trop longue. Torres. C'était pas trop mal passé, mais voilà. Beaucoup trop longue. Ça me semble pas avoir trop appuyé. Là, j'ai pas pris le ballon. Non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Non, je râle beaucoup sur cet épisode. Hein. Ah, okay, non, ça faisait longtemps que j'avais peut-être pas râlé autant. Mais spectacle assez déplorable, je trouve, de mon équipe. Oh, mais non. Facile, mais... la récupération. En plus, mon joueur, il voit le ballon. Hein. Il voit le ballon. Il peut pas. Ah, il a bien ressenti le coup. Se dire, putain, ouais, je vais y aller quoi. Ouais, peut-être une situation intéressante. Ouais, mais non. Là. Comment tu veux qu'il récupère le ballon? Un ballon récupéré. Ouais. Ouais, très beau tacle. Mort. Oh. La faute, carton peut-être. Cuenca qui va prendre un petit jaune peut-être. Allez, Agbon qui va sortir. Faire jouer Samper, ce l'autre il m'avait fait une grosse erreur au match précédent. Bueno, est-ce que Bueno va sortir? Pas terrible Bueno non plus. Hein. On va faire entrer le petit jeune. Ah ouais, c'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Allez. Sergi Samper. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer. Qu'est-ce que tu m'as fait là? M'expliquer qu'est-ce que tu m'as fait là? On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh la tête! Et le but, tête. C'est qui? C'est Bueno. Oh, magnifique. C'est pas Bueno? Ouais, un petit peu Molasson, la frappe. Hein. Pas suffisamment appuyé pour prendre le gardien. Si c'est Bueno. Fous, c'est en tout cas ce qu'on pensait. Finalement, c'est un meurtre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu but pourtant. En fait, c'était un but de merde. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Bien joué Pereira, beau centre de Pereira. Non, ça se fait que Bueno est capitaine, quoi. C'est même pas un joueur à moi, quoi. C'est bien un truc que j'aime pas, c'est ça. C'est un joueur qui est pas à moi, capitaine. Bon, ça fait 2-0. Mais... c'est quand même pas terrible, hein. Faut le dire, hein. C'est pas terrible, hein. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. C'était quoi ça? Bueno qui va sortir entrée de Toral. Oh,
Allez. On va jouer un peu long. Bien joué. Allez, attention, il se rapproche du BVR. Non, mais non, mais putain, mais t'as le gars à côté de toi. T'as le type à côté de toi. Comment tu peux faire une passe aussi mauvaise? Mais ça, je comprends pas. C'est pas humain, ça. C'est pas humain. Un joueur de national, je suis sûr, il rate pas la passe, là. Oh, mais la faute, là aussi. Un joueur de national, il peut pas rater la passe. Il a le mec devant lui, là. Comment il peut pas lui filer le ballon? Ça, c'est incompréhensible, ça. Ça, c'est une passe vraiment ultra basique, là. Le mec, il a 1 mètre de lui, quoi. Allez, j'exagère, il est pas 1 mètre, mais... Allez, il est à 4 mètres de lui. Bien joué, Tito. Il est à 4 mètres de lui, il peut pas lui faire une passe, quoi. Une passe simple. Il la rate, quoi. C'est pas permis, ça. Désolé. Tu joues pas au foot professionnel si tu rates des passes si simples. Bah, pourquoi c'est allé passer... Wow, penalty. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Il est blessé en plus. Penalty. Peut-être pas penalty, mais. Non. Non, non, pas un peu. Non. Moi, bah, je sais pas. Non. Moi, je me dis comme ça, dans un coin de ma tête, il y a peut-être un peu penalty. Voilà. Non. En plus, il a fait un vieux tacle, le gars, tu sais. Il ne joue pas une seule seconde le ballon. Enfin, il n'est pas sur le ballon, je suis désolé. Ça, c'est parce que, selon le jeu, à mon avis, selon l'animation du jeu, il devait être sur le ballon, alors qu'il ne l'est pas. Wow. Oh, la transversale de Cuenca. Mais l'autre, il est blessé, hein. Mais l'arbitre, il s'en fout. Il est toujours blessé? Non, ça va. Ça va, mais bon, un pénalty oublié par l'arbitrage. Allez. On s'approche de la zone de vérité. Non, mais oh là là. Il a anticipé la trajectoire. Ton appel, il était vraiment bidon là. Nierga, là. On va jouer 3 minutes de plus. Parce que bon, les mecs qui commencent à faire un appel et qui s'arrêtent au moment où je fais la passe, alors ça, c'est vraiment un truc chiant. Ça. On pourrait savoir, quoi. Tu fais un appel ou tu le fais pas, quoi. Voilà, bon. Eh ben, dis donc, c'était pas terrible, hein. C'était pas terrible, mais victoire 2-0. 5 tirs, 3 cadrés, victoire 2-0. C'était pas terrible. C'était moche, mais que c'était moche. Du coup, j'ai honte. Mon rôle dans le club. Pourquoi tu joues pas assez souvent? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Tu dois te moquer de moi. Tu as osé me dire ça, tu dois te moquer de moi quand même. Allez. Je vais arrêter de faire travailler Boga, je crois. On a 9 messages. Pourquoi on a 9 messages? Ah oui. William Cyprien, tiens, il est bon. 76. Corcher. Allez. Tiens, Gnabry, il est bon maintenant. Ouais, ça va. Réveil 75. Bama. Alors, rapport mensuel. Qu'as-tu à me proposer? Ah, mais toujours lui, je crois que je l'avais déjà vu, ouais. Si on se le dit, je me souviens de son nom. 76. Ça va être un attaquant, mais c'est pas terrible. Lui peut-être aussi. Gardien. 74 et 94, il commence entre 58 et 74. 76, pardon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on cherche un gardien, on va le recruter, parce qu'il a l'air plutôt déjà être assez bon.
En plus, il a un potentiel intéressant. Donc, on va regarder les jeunes, ouais. Il a 62. C'est pas mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode, on jouera contre le Sporting Gijón. Et l'Atlético de Madrid. Et un match contre le Barça. Ouh là là, ça va être chaud. Si on a le temps, on fera le match contre le Barça. En tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. Ça me fera aussi très plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur FIFA 17. Allez, ciao.